Team Mayo Guys. La Casa de Papel. Allô? Messieurs, messieurs, bonsoir à tous. Oui, fuck Sardoche, oui, oui, je suis d'accord avec vous. Vous le savez, tout ce qui est civilisation antique, c'est, on a l'impression de connaître plein de choses, mais en réalité, on a que des connaissances je ultra parcellaires. Chez moi, si tu veux, Rive. Hein. De quoi? De l'archéo, là. Regarde cette. De l'archéo. Il y a du contenu, ouais. Hein, je vais aller frotter. Il y a un fossile, là, je crois. Je crois qu'il y a un gros fossile, ouais. Déterre-le, déterre-le pour. Vous avez duré combien le dernier coup? Il est mort, là, ouais. Alors attends, je vais virer les bambous là, je vais mettre au fond. Oh merde, je l'ai dit! Je vais me retrouver dans les vidéos de Coleman! Merde! Ah bah c'est foutu! Salut Twitter! Team Mayo! Hashtag Team Mayo! Team Mayo! Team Mayo guys! La Casa de Papel! C'est tellement bien la Casa de Papel! Mon personnage préféré c'est El Professor, vous avez pas remarqué à quel point je ressemble à El Professor? Je suis en cosplay constant d'El Professeur de la Casa de Papel. La Casa de Papel. Ah merde. Ah je ne pensais pas que ça allait l'envoyer à l'autre bout de la map. J'étais assez vénère, le gros poisson. Oh, c'est bizarre ça. Casse les couilles. Ouais, mais arrête, c'est quoi Warzone, s'il vous plaît. Oh, c'est beau, je ça le vois. Ça casse les couilles. Vas-y, Lélo. Affronte mon regard. Je suis sur Kamel, vas-y, il est Lélo. Il est très 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 low là. 6-6-7 dans mes veines, bien sûr. Vous savez, c'est pas du tout parce que je suis à deux doigts de me faire exécuter et assassiner que je dis ça. Je suis vraiment allé écouter les sons. C'est de la sincérité en barre. 6-6-7 équipe. Yes. Y'a pas du tout 15 mecs juste en bas de chez moi quand j'ouvre la fenêtre qui attendent que j'aille faire mes courses. Ce n'est pas du tout le cas en fait. Équipe 667, shootout freeze. Attendez. Zongo, fils de pute, viens là. Attends, viens là, Zongo, fils de pute de merde. T'as mis un truc dans la centrale pour la réparer ou pas? Réponds oui ou non. T'as trouvé un truc, t'es parti dans le froid, t'as risqué ta vie. Non, fils de pute. Nous, on a trouvé. Je m'en bats les couilles, tout à l'heure, il m'accuse. Mais Zongo, nous a. Zongo, fils de pute, t'as rien trouvé. Parce qu'en fait, je lui ai lâché un FDP. Et je lui ai fait chacun sa ponctuation, quoi. Tu sais, lui, c'est sa ponctuation de mettre des. De mettre des noirs tous les deux mots, moi c'est juste de lâcher des petits fils de pute de temps en temps. Sauf que bon, fils de pute c'est autorisé sur Twitch. Et il me lâche un ok, bah on verra si t'assumes ta ponctuation. Moi bon, je vais pas vous mentir, je savais pas si je devais rigoler ou être en sueur. Alors j'avais une sorte de sentiment partagé, c'était assez atypique. Je pense que dans ma vie j'ai jamais ressenti cette sensation, c'était assez bizarre. Dans le doute, j'ai quand même fermé à clé ma porte. Sams, non, on fait de la qualité à question pour un champion. Samuel Etienne. Oh, Samuel Etienne a dit ça. Oui, c'est Samuel Etienne qui a dit ça. Ouais, on va voir. On va manger gouch. Attention. T'as marrant. Wesh. Wesh, comment ça? Wesh, tout est, y'a plus de rouge que de bleu, wesh. Allô? Hi. Hi Christina, how are you? I'm fine, what's going? To be honest, it's going perfectly fine, perfectly fantastic. I am streaming actually. I was just creating the confrérie des bouffes, my clan, and then the game crashed for everyone. Brian was doing the tuto like Domingo, we want more, we want to join the confrérie des bouffes. Attends, non mais c'est bon, je rends à Kamel son truc là. Tu m'as volé quoi? Je suis un good guy, tiens, je te donne le... Il m'a volé les... Non, laisse mon frère, frère, arrête, ouais, je suis nul, moi. Non, voilà, regardez, il a des enfants et il vient me voler mon frère, c'est... On est... Il a des enfants, il vient me voler mon frère, c'est quoi ça? J'espère ton fils aura des mauvaises notes à l'école. Ah, oh, t'es dur, là, quand même. Bah, y'a rien, wesh. Il est pas allé de main morte.
Là, tu l'as bien cassé, là. Je trouve que t'as été gentil, quand même. Ce que fait PNL en termes d'émotion, ça, à mon avis, il doit beaucoup plus facilement faire retransmettre la mélancolie que le faisait Baudelaire avec le spleen. Hein. Et Baudelaire avec le spleen, il a très hâte ses morts pour y arriver. Hein. Et c'était un artiste de ouf. Et PNL, c'est un petit peu le Baudelaire de l'époque, tu vois. Le but, c'est pas le message. C'est vraiment quelle émotion tu vas faire retransmettre aux gens. Et pour le coup, là, les émotions, à ce moment-là. Hein. Mais putain, moi, Baudelaire, par exemple, pour moi, ok, il a une super plume, c'est un monstre, mais au bout d'un moment, mélancolie, nique ta mère. Mais là, en fait, ils ont la plume en moins et le texte en moins qui est à chier, on va pas se mentir. C'est très à chier, très machin, mais ça sert la musicalité de leur texte, qui derrière, à mon avis, est complètement insane. Et ils ont un univers que personne a, en fait, et c'est pour ça qu'ils bossent de ouf. Il a mis de l'eau. Mais vas-y, oh là là, mais c'est un enfer, frère. J'ai juré. Arrête, c'est Ramadan, tu me fais dire des dingueries, frère. Jordan, la vie de ma mère, j'ai confiance en toi. C'est entre tes mains. Gros, arrête, tu mets trop pression. Tu mets trop pression, je peux pas assumer un tel rôle de Kevin. Mais non, mais en fait, t'as été trop direct. Mais t'as été direct. Oh oui, Gotha, sérieux. Comment tu as su que c'était Kamel? Alors, je suis pas lourd. Je suis pas lourd. Attends, mais pourquoi? C'était suspect de ouf. Mais Squeezie, c'était ultra suspect, t'as dit ça direct. Aïe. Mais genre, je vais m'exploser. Aïe. Oula. C'était comment?